Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le temps du haul des soldes de l'été 2015. Donc, j'ai mon paquet Sephora. J'ai fait quelques achats chez Nocibé et un achat sur The Beautist. Donc, on y va, je suis chez Sephora. J'ai fait que des achats soins de la marque Sephora, à part un. Vraiment, parce que j'ai découvert avec la crème légère et la CC crème, je suis fan de ces produits. Donc, on va commencer, mais j'avais déjà acheté. J'adore leur petit disque démaquillant pour les yeux. Donc, j'en ai pris deux. Alors, tout était à moins 70%. Hein. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris le sérum pour affiner, je ne peux plus vous voir. Donc là, c'était en magasin. Bon, ça sera un petit mélange, hein, vous m'excuserez, j'ai tout mis dans le même sac. Donc je l'ai eu à 5 euros, un sérum pour affiner. Voilà. J'ai pris un fluide très hydratant SPF 15. Toujours à moins 70%. Hein. J'ai pris un... Il ne faut pas que je dise j'ai pris à chaque fois. J'ai repris une crème légère très hydratante. Celle-là à 2,99€. Parce que je l'adore. Elle est parfaite, cette crème. Enfin, un super lisseur rides yeux. Un super sérum lisseur rides pour le visage. Un sérum réhydratant, énergisant, je réveille ma beauté. Ah, je me suis fait une routine complète hein, pour le matin et le soir. En magasin, j'ai pris le CC crème œil correcteur pour aller avec ma CC crème qui était à moins 70%, pareil. Enfin, de la marque Sephora, j'ai choisi la crème riche très hydratante. Ça sera plutôt pour le soir, je pense. Voilà. Et enfin, chez Sephora, encore quelque chose. J'ai pris la brume d'eau apaisante, Pchit fraîcheur à l'extrait de lotus. Et enfin, trois pinceaux de la marque Sephora. Le fameux, alors là, il était bien, je ne sais plus à combien il était soldé, mais c'était intéressant, je l'ai eu à 9 euros au lieu de 17 ou plus que ça même. J'ai repris mon pinceau poudre minérale, mais j'applique mon fond de teint avec. J'ai pris un pinceau biseauté pour les sourcils. Je vais enlever les papiers, vous verrez mieux. Comme ça. Qui est bien dense, bien super. Et enfin, j'ai pris un pinceau paupières large, voilà, pour mettre mes fards en aplat. Donc, de la marque Sephora, c'est tout. Sur le site, il y avait le sérum en lighting, sérum de nuit correcteur anti-tache de chez Estée Lauder. Donc, hop, dans mon panier. Parce que je suis une fan des sérums Estée Lauder. Et celui-là, je ne l'avais pas. Et c'était pas mal intéressant. Sachant que sur toutes mes soldes que j'ai fait sur le site de Sephora, j'ai eu moins 20% supplémentaire. Donc, ça valait le coup. En magasin, là, j'ai trouvé des choses qui m'ont plu. Parce qu'il y avait du Marc Jacobs soldé. Donc, j'en ai profité. Je me suis donc pris un brillant à lèvres vinyle qui était à moins 50%. Qui va aller super bien avec mon nude de la couleur de mes lèvres que je vous avais déjà présenté. Il c'est tout en transparent, ça va être joli, ça va donner de la... Voilà. Donc celui-ci, je vous ai pas dit, il s'appelle... Infusé au raisin de champagne, couleur égayante désirable. Et il s'appelle... Kissability. Ensuite, un rouge à lèvres irrésistible éclatant accrocheur
Donc celui-là, pareil, à moins 50. Et c'est la couleur Seduce Me. Alors celui-là, vous verrez, il est un peu plus flashy. Ça sera plus pour cet hiver. Le packaging, les packagings sont magnifiques. Donc c'est un bordeaux. Je sais pas s'il rendra bien à la caméra, mais c'est oui, c'est un. Il est super beau. Même avec le gloss par-dessus, ça ira super bien. Je suis super contente. Je pensais pas du tout qu'ils allaient solder les Marc Jacobs. Et enfin, dans la collection nude, comme ça, qu'ils appellent subtil chic et toujours accrocheur. Donc, c'est dans la collection des nudes. Pareil, à moins 50, je l'ai eu à 14 euros. Et donc il s'appelle Strange Magic. Et il est magnifique. Donc toujours le packaging. Et c'est un nude. Mais alors un nude de chez Nude. Hein, vous voyez là. C'est tout en transparence. Dans les tons. Regardez-moi ça. C'est un beige rosé. Oh, il est sublime. Je suis ravie. Et enfin, pour finir, chez Sephora, ils ont soldé la marque Clinique, mais quelque chose de mignon. Mais moi, Marc Jacobs, ça me suffisait. Mais j'ai quand même pris un petit vernis, là, les petits vernis différents pour peau sensible. Il était à moins 70%. Donc au lieu de 18,50, j'ai eu à 5,55. Et c'est un super beau rose. Oh, il est super beau cet été. Ça va être trop joli. Donc voilà pour ce qui est de mes achats. Sephora. Ensuite, donc sur le site The Beautist, il y avait également des promos. Et là, j'en ai profité. Elle est quand même à 50 euros cette palette. Moi, je l'ai eu à 38 puisque j'avais un code supplémentaire de 5%. Donc, j'ai acheté la Defining Eyes par Tiffany Day pour Sigma Beauté. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Elle est magnifique cette palette. Donc c'est vraiment des couleurs pour faire des maquillages, pour bien définir les yeux. Il y a tout ce qu'il faut. Parce que je vais enlever ça. Il y a un pinceau, il y a un eyeliner. Avec un côté highlighting pour les sourcils. Il y a donc, je sais pas si vous verrez, et il y a deux gel liner crème. Voilà, mais je vais pas les utiliser maintenant, donc je les ouvre pas. Je sais qu'il y en a un marron et un noir, donc un blackout chocolate. Donc voilà, ça va. Et quand elle faisait des make-up sur son site, avec sur sa chaîne, avec ses phares, c'était super beau. J'ai m'empressé d'aller vite les regarder, ces tutos, pour pouvoir les reproduire. Donc voilà, ça c'était mon achat sur The Beautist. Sur Nocibé, ben j'ai pas acheté grand chose. Si, je me suis racheté mes petits gants auto-bronzants, je vous en ai parlé dans mon chicha de beauté de vendredi. Donc là, je me suis choisie dans la gamme, dans une nouvelle marque que je ne connaissais pas. Ils avaient toute la gamme, hein, la crème de jour, la crème des yeux et tout. Mais moi, j'ai pris parce que j'ai assez suffisamment de produits d'ouvert. Enfin, quoi que j'en arrive au bout. Donc, c'est pour ça que je me suis équipée en soins Sephora, que j'aime énormément. Donc là, j'ai juste pris le Power Cat System de la marque Wonderskin, anti-âge sérum. Parce que dedans, il y a du rétinol, de l'acide L-lactique, de l'acide ascorbique et de l'acide hyaluronique. Voilà.
Et celui-là, j'ai eu à 27 euros au lieu de 70, il était à moins 60%. Donc ça se présente un peu comme le Clarins. J'ai déjà essayé, ma peau supporte très bien. Hein. Ma peau adore le rétinol. D'ailleurs, tout le monde me fait des compliments sur ma peau, mais je pense que ça vient de ça. Donc ça deux pompes, ça délivre les deux produits. C'est un peu le même système que chez Clarins. Et puis, pour faire, parce que j'aime bien redessiner mes sourcils à la Bénéfice, donc je me suis pris des bâtonnets coton fin 60 centimes, voilà. Et bien, c'en est fini pour mes achats beauté. Et voici la partie achat vêtements. Donc, à Monoprix, je me suis trouvée à moins 50% un pantalon en soie. Assez large, les pantalons, vous savez, dans lesquels on est super à l'aise. Parce que ben, moi, j'ai maigri, donc faut que je me... Là, c'est une taille 36. C'est de la marque Thomsen Paris pour Monoprix. Il était quand même à 60 euros. Moi, je l'ai eu à moins 50%. Et j'ai adoré le détail sur la ceinture. Et je suis super bien dedans. À Camailleux, à moins 50%, je me suis trouvé... C'est un peu des pantalons vraiment où on est à l'aise, large. Dans les tons briques, il y a un petit nœud qu'on met sur le côté. Et puis en bas, il est un peu resserré. Il y a un petit élastique. Et on est super bien dans ces pantalons un peu ça. C'est pas vraiment sarouel là, non. Hein. Mais voilà, moi, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. À Carrefour, je me suis trouvé un jean léger de demi-saison. Mais je crois que même je le mettrai l'hiver. Celui-là, par contre, c'était un taille 38. Alors, c'est marrant, d'un magasin à l'autre, vous ne taillez pas la même chose. Donc, c'est un camel un peu, avec des petits dessins, là. Voilà, donc moins 50 aussi, je l'ai eu à 14 euros. Chez Camailleux, encore, je me suis pris deux petits hauts. Donc, des petits hauts comme ça, avec des petits... je sais pas comment on appelle ça, des petits... grillagé. Voilà, donc un jaune moutarde et j'ai pris le même en noir. Donc cela était à moins 20%, mais sur le deuxième t-shirt il vous faisait 30% supplémentaire. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont assez longs, je vais vous... Oui, ils arrivent au niveau un petit peu en bas des fesses. Voilà, donc je suis contente. Et enfin, toujours là, c'est Monoprix à nouveau. Celle-là, elle était à moins 30%. Une petite robe, toute simple, dans du coton un peu moucheté. J'adore ça. Donc voilà, elle est comme ça. Là, il y a une petite ceinture qui se met et elle arrive au niveau du genou. Et moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment mon style casual, un peu comme on dit, à l'aise, mais en même temps sympa. Voilà, voilà la petite robe. Et sur Kiabi, j'ai fait les soldes sur internet. J'avais repéré la veille deux paires de chaussures et je suis trop contente, elles étaient soldées. Alors vous dire, faudrait que vous alliez sur le site. Donc j'ai pris une paire d'espadrilles bien flashy. Voilà. Et enfin, une paire d'escarpins, mais pas trop haut, dans lesquels je suis comme dans des chaussons. Voilà, ils sont super beaux, en couleur beige. Donc, voilà mes escarpins. Et je suis comme dans des chaussons dedans. C'est vraiment super. Voilà, je vous les remontre. Mes super chaussures. Et bien voilà, c'en est fini pour mon haul solde de l'été 2015. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy !